de poule qui nous attend maintenant, Franck. Un match du premier tour, pas encore hein, au match à élimination directe, mais la tension monte, on le sent. Au programme de ce match, l'opposition entre le Japon et la Colombie. Le Japon qui va donc effectuer sous vos yeux ses grands débuts dans cette Coupe du Monde 2014. Oui, un premier match important qui donne souvent le ton pour le reste de la compétition. Sifflet de l'arbitre et c'est parti. Akoto a cédé. Elles sont à la lutte. Oh la voiture ! Ah, le gardien qui peut finalement empêcher ce ballon de rentrer. Que ce soit lui qui marque, c'est bien entendu tout sauf une surprise. Ah oui, il fait partie de ces grands joueurs capables de tout à tout moment. On revoit ce but sous un autre angle. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. C'est pas mal ce centre. James Rodriguez, Carlos Sanchez. Et ce qui est en bas. Kakawa. Nagatomo. Koto a cédé. Konaki. Yoshida. On va-t-il marquer de la tête ? Oh, le ballon qui tape la transversale ! Oh, c'est bien parti ! Et encore un superbe réflexe du gardien ! Filo Gutiérrez, Bernardo, Gutiérrez, Nagatomo. Kakawa. Le centre. Oh, le sauvetage du gardien. Et c'est bien conservé ce ballon dans les bras. James Rodriguez.
parce qu'il sort en touche finalement. Finalement la touche. Aguilar. Bouga. Nagatomo. Makoto ACB. Mal assuré la passe, hein. Ça file en touche. Carlos Rodriguez. Carlos Sanchez. Chiliga. Une, deux. Bernardo. Filo Gutiérrez. Liga, peut-être une occasion. Ah, mal centré, dommage. Un bon ballon d'attaque perdu. Il se fait en bas. Ospina. Carlos Sanchez. Ça circule bien. Et c'est la défense qui dégage maintenant. Kakawa, dans ce centre qui trouve le défenseur finalement. Ce sera un corner pour le Japon. Jolie frappe! Ouais, la balle est contrée. Le ballon rendu à l'adversaire. Kagawa. Makoto ACB. Kanaki. Oh, le centre, il y a danger! Et il soulage sa défense avec ce dégagement. Filo Gutiérrez. Armero. Oh, c'est parti! Un seul joueur. Yoshida. Teofilo Gutiérrez. Kiyonda. Aguilar. Et la mi-temps vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Première période délicate pour eux sur le plan défensif. Ouais, c'est vrai que les lignes arrières ne se sont pas montrées à leur avantage. Elles ont éprouvé beaucoup de difficultés face aux attaquants adverses. Et le score montre bien.
Et c'est parti pour la seconde période. Yoshida. Oh, ça va rentrer. Carlos Sanchez. Ouais, à toi, à moi, ça circule bien. Armero. Coto a cédé. Ah, il se sent bien en ce moment. Hein. Ah, c'est vrai qu'il enchaîne les bons matchs. Hein. Coto a cédé. Convaincu. Coto a cédé. La tête du défenseur qui soulage. Carlos Sanchez. Aller vers la zone de vérité. Carlos Sanchez. Zuniga. Il a du monde autour de lui, il y a quelque chose de bon à faire. Il est magnifique, il a bien fermé le couloir. Et les deux entraîneurs qui vont procéder à des changements. Aguilar. Armero. Il lui remet. Carlos Sanchez. Ouais, il n'est pas seul, il a du soutien. Ouais, le duel. Zapata. Aguilar. Coto a cédé. Yoshida. Ouais, bonne circulation du ballon. Ouais, mauvaise passe, ce sera une touche. James Rodriguez. Et il y a du monde autour de lui, à lui de faire le bon choix maintenant. En très bonne position, il faut qu'il centre. Carlos Sanchez. Armero. Ouais, c'est bien de jouer collectif comme ça. Hors jeu, hors jeu, signalé hors jeu. Et la défense qui a eu très chaud.
s'agite sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. Sanchez, Aguilar, ça s'approche, ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Et maintenant il va falloir centrer. Aguilar, oh il l'a déposé, oh c'est beau. Yoshito Okubo. Kagawa. Endo. L'occasion peut-être avec cette frappe. Hors-jeu, il est parti trop tôt. Le ballon a été donné trop tard. Oh quel joli tir! Oh il le met! Très décisif en tout cas. Hein. Le joueur rentre, à peine rentré, il marque. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Ils accentuent leur avance, le score qui est désormais de 2 à 0. Kotaki. Oh, le beau tir! Et puis pour le Japon! Ouais, c'est son deuxième but! C'est son deuxième but! Il va peut-être en marquer un troisième, pourquoi pas? On revoit ce but sous un autre angle. Et ça fait un but de plus pour corser l'addition. Le spectacle qui est vraiment au rendez-vous aujourd'hui et le score qui est à présent de 3 buts à 0. Et cette Coupe du Monde de la FIFA qui ne pouvait pas mieux commencer pour eux. Et c'est très important de prendre 3 points d'entrée. Ils peuvent même obtenir leur qualification dès le deuxième match. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Franck et merci à tous. À bientôt.